Dernièrement, le maire Jean Doré et sa nombreuse équipe ont visité l'ex-URSS dans le but d'éventuelles relations économiques. Comme le veut la tradition, un échange de cadeaux a eu lieu. Les Russes ont offert une bouteille de vodka à M. Doré et celui-ci, pour remonter le moral du peuple russe, leur a donné en retour pour l'année 1993 Jean-Marc Chaput, motivateur. Sacrifice. Pose-toi la question dans ton casque de poêle de tête de reste. Qu'est-ce qui marche pas dans ton beau grand pays, Kiss? C'est parce que tu penses pas positif. C'est ça, je pense. T'es positif, mon pétrole. Dis-toi que quand tu fais la file, t'es pas tout seul sur la terre. Moi aussi, quand je reviens de Plattsburgh avec mon 41 de Canadian Whiskey, mes deux cartons de cigarettes canadiennes, mon beau-frère, je sais ce que c'est que faire de la pile. Hein? Je prends mon mal en patience. Je pars l'air climatisé. J'en profite pour enlever le prix sur mon côte de cuir neuf. Hein? Ben, toi aussi, sacrifice, Nicolas Lalaye, t'es capable de prendre ton mal en patience. Même que toi, t'es plus chanceux que moi. Toi, quand tu fais la file, pendant une couple de jours, tu sais pas que c'est qui au bout, hein? Ça va-tu être une patate? Un rouleau de papier de toilette? Ouais, au moins, t'as une surprise au bout, sacrifice, mon patate! Moi, je le sais que si tu m'attends au bout de la file, t'es un douanier avec un airbag. Think positif, mon pétard, hein? C'est des idées que ça te prend, hein? Puis des idées, toi aussi, t'es capable d'en avoir. Va t'en donner une pour te faire un peu drôle, OK? Fais ce que tu veux avec, OK? Alors, tu vas dans le bois, OK? Tu tournes en rond pendant 90 minutes avec une caméra, OK? Ben, si tu me crois pas, appelle Jules Carl. À Frédéric, il va te dire qu'il y a moyen de faire l'argent en filmant n'importe quoi. Une autre idée, mon Olga, OK? Tu te pars une émission de TV. T'appelles ça « Sors d'un soir ». Facile, ça te prend juste deux chaises et un escalier. Non, si tu ne me crois pas, appelle Guy Cloutier à Frédéric. Je vais te le dire, lui, il y a moyen de faire de l'argent avec rien. Une autre idée, mon petit Stoïka, avant de terminer, OK? T'as combien de Spoutnik qui font rien, là, qui rouillent d'une cour à scrap de Spoutnik? Puis tu m'as dit quoi faire avec, hein? Tu mets une couche de crème clade là-dessus, OK? Puis tu trouves un musée de Spoutnik. C'est vrai, puis tu me vois pas, appelle Gilbert Rozon, à faire virer au musée de l'humour, il va te dire, lui, qu'il y a moyen de faire de l'argent avec des idées liaiseuses. Lâche pas patate, mon patate. Bonsoir, Moscou!